sud ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon mardi, un mardi qui commence avec un temps qui est variable, une température extérieure qui est relevée à 12 degrés, mais en plein vent on ressentit 10 degrés, une température de l'eau qui est elle à 13 degrés, une marée qui est actuellement en train de descendre, le plein bas est à 10h45 avec des coefficients de 74, et sur cette marée qui descend, le vent est plein sud, soutenu, 4 beaufort, plan d'eau clapot au bord, clapot à moutonneux sur le large, les phases de vagues sont ridées, et on a une houle qui est à le long avec 13 secondes de période orientée ouest à ouest-sud-ouest qui n'est pas jolie, qui est agitée multipique ce matin, en atténuation et en baisse plus rapide que prévu, car ce matin nous avons un déferlement régulier de 2 mètres à 2 mètres 50, série régulière à 3 mètres, grosse série à 3 mètres 50, pas plus que ça. En termes de qualité, c'est pourri, c'est carrément pas valable. Si vous voulez glisser aujourd'hui, il faut se déplacer et c'est possible. L'évolution pour le reste de la journée nous donne un vent de sud qui va se calmer à la mi-journée, avant de revenir un peu plus au sud-sud-est cet après-midi et a priori se renforcer sur un train de houle qui, lui, va être en atténuation jusqu'à ce soir. La bouée Arcachon-Gascogne est à la baisse. Dernier relevé, 4 mètres 68 secondes, ce qui nous donne en prévision pour 13 heures, 3 mètres à 3 mètres. Houle ouest à ouest-sud-ouest. 13 secondes de période, vent de sud, 3 à 4 beaufort, et à 17h, 2,50 m à 3 mètres. Houle ouest à ouest-sud-ouest, 13 secondes de période avec le vent sud-sud-est, 4 beaufort. La Cano, c'est pas bon, mais si vous voulez glisser, il faut se déplacer. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve à 11h30 pour le prochain bulletin. À tout à l'heure, merci.